que vous remet Abdullah, 100% évangélique, pour nous présenter parole ça, parole qui va vivre ça, parole qui transforme ça, parole qui restaure ça, et que la plupart des gens pas accepté ou bien pas attendu, parce qu'ils ont toujours voulu et surtout vivre dans des ordres. Mais le monde qui remet Jésus, qui a préparé pour le salut, c'est parole ça qui remet pour bailler la vie. Et comme nous souvent dit, nous n'avons maison pas de l'autre, c'est qu'il n'y a pas de parents, pas de monde qui a géré vrai. Et dit, nous avons levé n'importe comment. Mais quand Christ, nous avons levé bien parce que Christ forme, il montre comment pour parler, comment pour dire tout ce qu'il dit, comment pour faire. Là, dans le bureau, ou quelque soit côté, qui est Christ formé petit, pour être capable de conformer selon l'homme lorsque il y a un monde dehors, il y a un étranger ou un petit Christ. Eh bien, étranger, ça capable de dire, ça, c'est petit Jésus-Christ de Nazareth. Gardez les gens la fonctionner, gardez les gens la vivre. C'est mon Christ qui est lié, c'est disciple de Jésus-Christ, c'est chrétien qui est lié. Hein? Ils sont messianiques, parce qu'ils croient dans le Messie, la vivre au Messie. Alors, les ça, tout le monde est capable de réjouir, parce qu'il y a des gens qui témoignent. Et la grandeur, bon Dieu. Gon moun ki témoigne volonté, bon Dieu. Par rapport à quoi? Parce que gon peuple gagnon moun qui prouve que Christ, Jésus, li vivant, li réel, et qu'elles sont gros bon Dieu. Mais c'est là que n'a pas marché droite, c'est là que n'a pas vivre pour lui, c'est là que n'a pas vivre droite, hein, dans la droiture. Le n'a pas vivre dans la mouillon pour l'autre, le n'a pas vivre dans la parole. Lorsque nous basons, nous pour nous vivre pour Christ avec crainte et tremblement. C'est lorsque nous livrons entièrement pour nous marcher avec lui, pour nous persévérer hein, chaque jour dans la présence de lui, dans la parole de lui, pour nous capables d'instruire et former de la parole, parce que c'est la parole qui sanctifie, c'est la parole qui ouvre les yeux. Et c'est peut-être ça, nous bénissons, nous disons merci, parce que libre nous, opportunité ça, nous-mêmes qui n'avons rien du tout pour nous capables là, c'est vrai, nous pas utiles à rien. Nous soyons serviteurs inutiles que le Seigneur utilise, pas parce qu'il est bon, mais à cause de sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Nous comptons pour nous là devant, nous comptons pour accueillir nous la caillou, dans le salon la caillou, ou dans le chamblan, ou que ce soit côté courrier. Nous comptons pour nous là avec et nous disons bon Dieu merci pour nous-mêmes qui recevons nous. Nous connaissons en pile à la démission, hein, après-midi, surtout sujet qui doit traiter. Et que nous avons besoin vraiment en pile discernement de la parole, de l'Esprit de Dieu pour nous capables d'arriver à comprendre mieux. Et si nous pas arriver à comprendre mieux, c'est un bagage qui clair, c'est un bagage qui tout à fait normal pour nous dire sans présence bon Dieu, eh bien pas qu'à gagner compréhension, pas gagner compréhension de la parole, pas gagner rien que nous capables de faire. C'est impossible, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est capable de nous comprendre une volonté. C'est lui-même qui est puissant pour ça. C'est lui-même qui est fidèle, c'est lui qui est réel pour ça. Alors c'est peut-être ça nous bénissons. Nous disons bienvenue dans 100% évangélique au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons invoquer le nom de Jésus-Christ ensemble avant que nous entrions dans l'émission, entrions dans le sujet, nous entrions dans toute sa ligne pour nous faire après-midi, comme déjà contre sujet là. Malgré nous, après retourner sur lui encore, mais nous allons invoquer d'abord le nom de Jésus-Christ pour être capable d'utiliser nous comme un instrument, bien qu'indigne que nous soyons, mais pour qu'il soit capable d'utiliser nous, pour être capable de faire passer le message ça, avec tout le monde qui a regardé l'émission à 100% évangélique après-midi, tout le monde qui a un bibio dans le moment ça, tout le monde qui a un stylo, qui a un canet, qui a un feu pour souligner, nous saluons dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Lui-même qui est consommateur de la foi, nous saluons dans l'homme. Nous avons invoqué le nom Jésus-Christ ensemble pour nous capables de passer un moment béni dans la présence lui en partageant sa parole toute puissante. Amen. Nous avons prié, côté où il y a, même si on pas d'accord avec nous, nous avons prié le Seigneur parce que c'est notre propre Dieu. Nous va contre ça qui passe, nous rappelons ça, peut-être un petit problème par rapport à ça. 100% évangélique, bon Dieu béni. Oui, bon Dieu béni, je passe. Oui, bon Dieu béni, c'est moi. Un petit problème micro. Alors, technicien, vous entendez? Allô? 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 Alors, apparemment, mon anglais est déjà en partie. Alors, c'est un petit problème micro. Alors, il a arrangé ça. Pas de problème. Merci beaucoup parce qu'ils nous ont signalé ça. Merci que mon Dieu bénisse sur moi. Nous allons entrer dans la prière pour nous évoquer le nom de Jésus-Christ ensemble. Et puis, pour nous capables de passer un moment béni ensemble dans la parole.
à leur côté où il y a, comme nous disons, même leur pas d'accord avec nous, même leur contre nous, même leur fâché contre nous, eh bien, à nous prier le Seigneur ensemble, c'est lui-même qui est capable d'éclairer nous sur le point de différents avis, c'est lui-même seul. Alors, à nous prier ensemble dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous bénissons, nous nous remercions, nous ramènons en pile, papa, parce que nous ne pouvons pas dire. Et c'est ça qui fait d'apprendre chaque moment, Seigneur, pour capable aider nous. Approuvons vraiment que nous ramènons. Aidez-nous, approuvons vraiment que nous fous pourrons. Et prouvons que nous fous pourrons, c'est l'un courir loin péché. L'un courir loin mensonge, loin fraude, loin convoitise des yeux, loin toutes sortes de choses qui contraient à volonté, loin des débauches, loin de toute tradition, toute idolâtrie. C'est lorsque nous courir loin, c'est l'un Seigneur, nous prouvons vraiment que nous ramènons. Papa, d'après nous t'en prie, bénis le moment que nous allons passer ensemble à partager parole. Merci pour le technicien, papa, qui vous permet qui est déjà là. N'a pas le temps pour souple. Que grâce spéciale va reposer sur lui-même. Et pour permettre qu'il fasse travail avec joie et contentement, parce que lui est au service au papa. Il n'est pas au service de nous, mais au service. Si il nous bénit pour lui-même. N'a pas le temps pour prendre soin de famille. Tant pour souple qu'il laisse le vini pour venir by service ça avec population, hein, avec frère, avec soeur. N'a pas le temps pour souple au capable de bénir le Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. N'a pas le temps pour bénir chaque téléspectateur. Téléspectatrice, mon capitan des paroles là, mon qui accepte, mon qui pas accepte, mon yeux ouvrir, mon yeux pour qu'ouvrir, n'a pas d'autant pour souple. Ou qu'on sa, qui sa chaque là-dedans yon besoin. Et nous connaît, c'est ou qui affranchisseur là. Et c'est ou qui affranchi yon. Et c'est toi qui es le Fils. Et si donc, ils se sont laissés affranchis par toi, Seigneur, ils seront réellement libres. Et Seigneur, c'est ce que nous croyons. Dans le nom de Jésus-Christ, bénis ce moment, bénis nos frères, bénis nos sœurs, bénis les gouverneurs, bénis les autorités, bénis les infirmières, les médecins, bénis tous les gens, Seigneur, la communauté tout entière, au nom de Jésus-Christ. Les autorités, Seigneur, nous inclusions, Seigneur, la force gendarmerie, la force municipale, Seigneur, la collectivité, Seigneur. Les Saint-Martinois, Seigneur, les Espagnols, les Haïtiens, oh, Seigneur, toutes les nations qui sont là, Seigneur. Nous ne pouvons pas énumérer toutes les nations parce qu'il y en a beaucoup, Père. Nous te bénissons et nous te demandons de leur garder, de les ouvrir les yeux, Seigneur, afin qu'ils peuvent comprendre, examiner, non pas, Seigneur, de se mettre à côté ou supporter le mensonge, de supporter, Seigneur, la fausse doctrine, les faux prophètes, mais de supporter, d'appuyer, de soutenir la saine doctrine de Jésus-Christ de Nazareth. Car quiconque va plus loin ne demeure pas dans la doctrine de Christ, n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Seigneur, nous voulons et nous pouvons et nous devons demeurer, Seigneur, dans cette doctrine, si nous nous laissons guider par toi, Seigneur. Père, nous bénissons ton nom. Nous t'aimons, nous t'adorons, Seigneur. Bénis ce moment. Seigneur, que tu veilles ouvrir, Seigneur, les yeux de nos frères, de nos sœurs, ceux qui ne peuvent et qui n'arrivent pas à comprendre, ceux que l'ennemi, Seigneur, utilise, ceux, Seigneur, sur lesquels, Seigneur, l'ennemi utilise l'aveuglement, l'égarement spirituel pour ne pas les laisser comprendre la parole de la vérité. Je te demande, au nom de Jésus-Christ, Père, accorde-les ta grâce, accorde-les ta lumière, accorde-les ta miséricorde, afin qu'ils puissent voir, afin qu'ils puissent être éclairés par la lumière, la véritable lumière, au nom de Jésus-Christ. Bénis ce moment, nous t'aimons et nous t'adorons, au nom de Jésus-Christ. Amen et amen. Et nous bénissons Seigneur là qui gagne tout pouvoir, comme nous disions tout à l'heure, indigne que nous sommes, incapables que nous sommes, inutiles que nous sommes. Le Seigneur nous utilise pour que nous puissions vous transporter, vous transmettre, vous répandre, vous partager, vous enseigner, vous dire, vous expliquer, vous raconter cette bonne nouvelle qui est basée sur un seul homme, Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas sur un pasteur, sur un leader, hein, sur frère Patrick ou frère Jean là-bas dit, mais c'est sur Jésus-Christ de Nazareth, parce que c'est lui le consommateur de la foi. Et c'est lui que nous prêchons. Nous prêchons la Bible, Jésus-Christ de Nazareth. Et nous ne prêchons pas d'autre chose que Jésus-Christ. Si vous venez ici pour voir, vous allez entendre Jésus-Christ.
Vous n'allez pas entendre que j'ai été pas si dans ce pays ou pas là et tout, j'ai vécu ou... Non. Vous allez venir pour entendre ce que Jésus-Christ a dit, ce qu'il demande, ce qu'il veut que nous fassions. Et c'est ça l'évangile. Et c'est peut-être ça nous prend le temps pour nous capables d'expliquer ça en long et en détail, pour nous capables de détailler ça baou avec toute souplesse, avec tout calme, pour nous capables d'ouler étape par étape, verset par verset, nous faut examiner. Yo. Nous disons Seigneur, merci et nous saluons nous toutes les capgadés, jeunes, petits monde, grand monde, tout le monde qui remet l'évangile, même ça qui remet l'évangile, nous saluons au nom de Jésus-Christ. Et bien ça, ça vous attendez là, c'est Jésus-Christ qui mène le pour vous. C'est Jésus-Christ qui transmet le pour vous, pas le billet d'un serviteur. Un serviteur qui n'est pas digne, mais qui a trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Soyez bénis tous et toutes au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, soyez bénis. Et nous pas prendre temps pour nous rentrer dans le sujet, non. On a fait un petit résumé comme nous toujours aimons faire dans la réunion. Yo. Et nous toujours me faire aussi dans l'émission pour nous capables de rafraîchir mes bras de qui ça nous a parlé pendant toutes ces maintenant. Et nous souhaiter qu'il va prendre Bibo avec nous dans le moment qu'il va ouvrir le panneau là. Rome, il était déjà ouvert dans le moment qu'il a. Et il a dit dirigez-nous côté nous devons débuter correctement. Et bien nous connaissons pour ouvrir le Bibo partout dans le même moment pour nous capables de rentrer ensemble dans la parole qui baille la vie. Et puis pour nous capables de mettre les points sur les i et pour que tout le monde capable de marcher. Jean que le Seigneur m'a dit selon la parole. Alors, nous t'ai débuté, nous t'ai commencé sujet ça. C'était dans Matthieu 28. Matthieu 28, le verset 19. Matthieu 28, 19. Alors, dans Matthieu 28, 19, c'était quoi raison sujet là? Et c'était qui ça nous t'a cherché vraiment? Et ça que nous t'a cherché, frère Semio, qui me remet en pile là, c'est que nous avons cherché à comprendre le Matthieu 28, 19. Hein? Hein? Nous cherchions à comprendre. Nous étions en train de chercher à comprendre la révélation ou cette révélation qui est cachée dans Matthieu 28, le verset 19. Comme je vous dis que Matthieu 28, 19, il y a une révélation cachée là-dedans. Et cette révélation, c'est cette révélation-là que nous étions en train de vous dévoiler, de décortiquer, de décerner ensemble dans la parole de la vérité. Et avant, nous avions débuté et par la recherche du nom du Père. Nous voulions savoir quel est le nom du Père qui est caché dans Matthieu 28, 19. Parce qu'on nous a dit au nom du Père, mais nous ne savons pas quel est le nom du Père dans notre siècle. Je ne parle pas de Yahweh, Jéhovah, je ne dis pas Jéhovah, mais Yahweh et El Shaddai, ou bon, quel que soit le nom qu'on donne, voilà. Mais c'est le nom qu'on nous a donné pour que nous puissions être sauvés, c'est le nom du Père. Et nous avions regardé, enfin constaté, nous avons pu constater que Jésus-Christ lui-même avait dit à ses disciples, hein, ou qu'il avait dit à ses disciples en priant le Père, dans Jean 17 que nous avons constaté cela, qu'il avait dit, j'ai fait connaître ton nom, Père. Père, je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Alors, ce que nous avions fait, c'est que nous avons été chercher quel était ce nom que Jésus-Christ avait fait connu aux hommes que le Père lui avait donné du milieu du monde. Et nous avions pu trouver ce nom. Je ne sais pas si vous avez oublié, mais nous avions pu oublier ce nom. Et aujourd'hui, enfin, nous avions pu chercher ce nom, trouver ce nom. OK, excusez-moi. Alors, aujourd'hui, ce que nous avions à faire,
nous avions à étudier ou bien à trouver ou à être de révélé par l'onction du Saint-Esprit le nom du Saint-Esprit. Comment, qui est le Saint-Esprit? On dit au nom du Saint-Esprit, le but aujourd'hui c'est de trouver qui est le Saint-Esprit. Et si nous trouvons qui est le Saint-Esprit, nous pouvons aussi trouver quel est son nom. Parce que nous ne pouvons baptiser des gens au nom du Saint-Esprit sans savoir quel est son nom. Nous ne pouvons baptiser des gens au nom du Père sans savoir quel est le nom du Père. Parce qu'on nous a dit au nom du Père, mais quel est son nom? On nous a dit au nom du Saint-Esprit, mais quel est son nom? Au nom du Fils, mais quel est son nom? Peut-être baptisé dans toi, non? Non, on ne peut pas être baptisé dans toi, non, on a un seul nom. Mais la responsabilité ou notre responsabilité, c'est de trouver, comme nous avons déjà trouvé le nom du Père, hein? Maintenant, notre responsabilité, c'est de trouver le nom du Saint-Esprit. Enfin, quel est le nom? Qui est le Saint-Esprit? Quel est son nom? Hein? Trouver qui est le Saint-Esprit et qui est son nom en même temps. Alors, pour débuter, nous allons commencer par ouvrir nos Bibles, hein, pour débuter. D'abord, ce que nous allons faire, chers téléspectateurs, soyez attentifs surtout et écrivez les versets que je vais vous donner. Pour débuter, nous allons débuter dans Matthieu 3, 11. Matthieu 3, 11. Matthieu 3, le verset 11. Et gayon bagaille dans Matthieu 3, 11 que nous besoin consulter. Gayon bagaille dans Matthieu 3, 11 nous besoin consulter. Ça nous besoin consulter, c'est ça que, ou bien plutôt prophétie que Jean-Baptiste baille lorsque l'étape accomplie ou bien l'étape aplanissé la voie du Seigneur. Le verset 11, Matthieu 3, il dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alors, écoutez bien. Lui, qu'est-ce qu'il fera? Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. OK. Maintenant, dans Matthieu 28, le verset 20. Matthieu 28, 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Hein? Pourquoi me lit Matthieu 28, 20? C'est pour montrer que Jésus-Christ, en même temps, le praléa, mais il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et lui seul est avec vous. Tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il n'y a pas un autre qui est avec vous. Alors déjà, il a une mission. C'est la mission du baptême du Saint-Esprit et de feu. OK. Dans acte 4, acte 1, regardez dans acte 1. Nous voulons bien commencer notre introduction. Acte 1er. Acte 1er, le verset 4. Alors, regardez bien, il faut comparer avec Matthieu 28, 19. Acte 1er, 4, Matthieu 28, 19. Il faut regarder ces deux versets ensemble. Regardez les deux ensemble. Regardez-les ensemble. Tous les deux. Regardez. Dans Matthieu 28, 19, il dit allez en utilisant l'impératif. C'est un ordre. Acte 1er, le verset 4, il dit. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Hein? Après avoir dit « allez », il se trouva avec eux de nouveau. Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem parce qu'il les avait déjà dit d'aller. Pourquoi ne fallait-il pas s'éloigner de Jérusalem? C'est pour attendre, hein, comme dit le texte, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit.
Le verset 6. Alors les apôtres unis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Comme je vous ai souvent dit, le royaume d'Israël est une autre dispensation ou bien est un autre règne. Il y a le règne de l'Église et le règne d'Israël. Et ce n'est pas encore le moment du rétablissement du royaume d'Israël. Maintenant, c'est le royaume de l'Église. Alors voilà pourquoi il va répondre dans le verset 7. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Ce n'est pas encore le moment, frère. Alors, focussons-nous sur l'Église. Dans le verset 8, il dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Hein? Vous recevrez quoi? Une puissance, ce n'est pas une personne, comme beaucoup de gens disent que le Saint-Esprit est une personne. Ce n'est pas une personne, mais c'est que vous recevrez une puissance. Parce que si c'était une personne, on ne pouvait pas l'appeler Saint-Esprit. C'est une personne, pourquoi appeler Esprit? On ne peut pas appeler le vrai Patrick Esprit, parce qu'il est une personne. Alors, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins où? À Jérusalem. Pourquoi? Parce que l'évangile doit être prêché à Jérusalem en premier. Parce que c'était les Juifs qui étaient placés, qui étaient mandatés, qui étaient recommandés pour annoncer la bonne nouvelle aux nations. Alors, voilà pourquoi que l'évangile doit être prêché d'abord à Jérusalem. Dans toute la Judée, dans la Samarie, que Jésus-Christ avait défendu les apôtres de prêcher, d'aller chez les Samaritains. Dans Matthieu 10, le verset 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hein, il les avait défendus en disant, n'allez pas chez les Samaritains, chez les païens, mais restez dans la maison d'Israël. Cherchez les brebis, hein, les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais pourtant, Jésus-Christ a changé le message maintenant en disant, vous serez maintenant non seulement à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire maintenant ici à Saint-Martin, hein, en Haïti ou partout dans le monde. Le verset 9. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Mais écoutez, chers téléspectateurs, Jésus-Christ est remonté au ciel dans le verset 9. A-t-il, comme dit Jean-Baptiste, Matthieu 3, 11, a-t-il accompli la prophétie de Jean-Baptiste, le baptême de feu, le baptême du Saint-Esprit? Non. Mais il est remonté. Mais qu'est-ce dit Jean-Baptiste? Jean-Baptiste disait que c'est lui qui est plus puissant que moi, c'est lui qui fait le baptême du Saint-Esprit et de feu. Mais il est remonté au ciel, il ne l'a pas fait. C'est quoi la compréhension de cette parole que Jean-Baptiste a prononcée? Jésus-Christ est remonté au ciel, il n'a pas accompli, il n'a pas fait le baptême du Saint-Esprit et de feu. Hein? Parce que là, le baptême du Saint-Esprit, c'est le dépôt, le bon dépôt, comme dit l'apôtre Paul, gardez le bon dépôt qui est en vous, Timothée. Alors, c'est le bon dépôt. Hein? L'imposition des mains, c'est le dépôt. La réception, hein, qui fait le dépôt du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit demeure. Jésus-Christ a remonté au ciel. Il n'a pas fait le baptême du Saint-Esprit de feu. Alors, ce que nous allons constater dans la continuité du chapitre, c'est que les onze, après qu'ils ont sorti quitter montagne des Oliviers, hein, eh bien, ils ont retourné à Jérusalem, selon Luc 23, le verset 52-53. Luc 24, verset 52-53, plutôt. Ils ont retourné et ils étaient continuellement dans le temple. Ils ont fait nous connaître que dans le verset 13, 14, 15, 16, dans acte 1er, dans le même chapitre que nous sommes dans acte 1er, hein, ils ont fait nous connaître tous les messieurs qui étaient là dans le moment. Et messieurs, ça, ils ont retourné à Jérusalem. Ils ont monté dans leur chambre, ils ont les chambres hautes. Et ils ont fait nous connaître aussi, ils ont une série d'autres monde qui étaient là. Les femmes,
qui était là, parce que famille au patal sous mon des oliviers pour recevoir mais ça là parce que Dieu paraît comment des familles pour prêcher l'évangile, enseigner, montrer mon rien. Parce que Christ pas des recommandations à bail mesdames yo dans le sens pour évangéliser, prêcher et puis baptiser moun. Non mesdames yo pas gain rôle ça chez téléspectateurs bagaille que jusqu'à maintenant beaucoup de monde pas arrivé comprendre et qu'il a péri par manque d'intelligence et manque de connaissance que Bible a clair sur lui ou pas comprendre non. Alors, les femmes, Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Et les frères de Jésus qui ne croient pas dans Jésus-Christ pendant Jésus-Christ vivant. Et au moment où Jésus-Christ mourut, il ressuscitait, eh bien, du moment que les 11 abîmes dans la chambre haute, monsieur, quand on vient camper devant la porte, après, on entre dans la chambre haute. Tout. Parce que bon, on va essayer qu'après, c'est que Jésus-Christ n'a pas de connaître l'LTV. Maintenant, il ressuscite, il n'a pas gagné jouet encore. Monsieur Allemand commence à faire mon appui, ranger quand on peut me citer à monsieur dans la chambre haute. Parce que là, on va essayer, c'est que Jésus-Christ ressuscité. Et c'est celui qui mourit ressuscité. Il est le seul homme à être mort et à être ressuscité pour nous donner la vie. Et comme dit l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 11, verset 1er, 2, 3, 4, 5, à continuer jusqu'à verset 7, il dit, je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré après l'avoir reçu, et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez couru en vain. C'est quoi cet évangile? Hein? Il dit, je vous l'ai annoncé tel que je le reçus moi-même. Que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Et qu'il a été enseveli, ça veut dire enterré. Pour mon cap qui pense enterrement, c'est chanter enterrement, ça veut dire enterré, maintenant tout. Et qu'il a été enseveli, ça veut dire enterré, selon les Écritures, et qu'il est ressuscité le troisième jour. Selon les Écritures aussi, hein? Hein? Il est apparu à des centaines de personnes pour preuve, pour montrer qu'il est vraiment ressuscité. Le seul homme, et c'est ce que je dis souvent, s'il y a un autre homme qui mourut pour le monde, que je ne savais pas et que maintenant je vais découvrir, et qui est ressuscité et qui a donné la vie au monde, aux hommes, bien entendu, ceux qui veulent la vie. Je vais adorer cet homme, si vous connaissez quelqu'un comme Jésus-Christ de Nazareth. Mais comme moi, je ne connais point, comme dit l'Éternel, hein, si vous connaissez qu'il y en a un autre rocher, moi je ne connais point. Je n'en connais point. Après moi, l'Éternel, il n'y en a pas un autre rocher. Or, Jésus-Christ est le rocher. Hein? 1 Corinthiens 10, le verset 3, 4. Hein? Il était le rocher. Or, l'Éternel dit, je n'en connais point un autre rocher. Alors, je connais Jésus-Christ parce qu'il est le seul et le vrai rocher. Lui qui était, qui est et qui vient. Hein? Le Tout-Puissant. Alors, il est ressuscité. Hein? Jacques, les fils de Marie, hein, ils s'approchaient vers la chambre haute en disant, monsieur, écartez-vous un peu, écartez-vous, hein, faites place, parce que là, il y a quelque chose de sérieux. C'est que Jésus-Christ a ressuscité, moi, je ne joue pas. Je jouerai avant maintenant, ça. Là, maintenant, ce n'est pas un jeu, c'est du sérieux. Jésus-Christ a ressuscité, je suis témoin qu'il est ressuscité, là, maintenant, je veux ce Jésus. Je veux le servir. Maintenant, j'ai découvert qu'il n'était pas mon frère vraiment. Il est mon Dieu, mon sauveur, mon roi, le roi d'Israël. Et automatiquement, les femmes, la mère de Jésus, le frère de Jésus, ils s'assemblaient dans la chambre haute pour compléter les 11 qui étaient sur le mont des Oliviers, qui allaient recevoir le message, les recommandations du Seigneur, pour établir, pour planter, pour élever, pour construire, pour, je dirais, répandre, pour faire régner et diriger l'Église de Jésus-Christ. Et automatiquement, chers téléspectateurs, le verset 15, acte 1er, nous a dit, « En ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies étant d'environ 120. Alors, environ 120. Imaginez les autres qui n'étaient pas, enfin,
si on soustrait les 11 qui allaient prendre, qui allaient recevoir les recommandations.